Apolline Matin. Allô Marie. Allô Marie, 6h22. C'est pas du tout une question de Marie, c'est une question de Madeleine. Mais oui, c'est Madeleine ce matin qui vous a écrit. Elle devait partir passer quelques jours à Varsovie chez une amie. Elle doit partir le 30 mars, mais elle vit dans une zone confinée. Donc elle voudrait savoir si elle peut non pas aller dans le département voisin, mais partir carrément à l'étranger. Oui, et la réponse est oui. Hein. C'est la magie de ce néo-non-confinement. Vous savez que depuis janvier, on ne peut plus voyager à l'international, sauf motif impérieux, en tout cas dans la plupart des pays. Mais on peut toujours voyager en Europe. Et le confinement, bah, n'y change rien. Que vous viviez en zone confinée ou non, rien ne vous interdit d'aller prendre un avion vers un autre pays européen. Si vous remplissez les conditions imposées par la nouvelle attestation, or, détenir un billet d'avion, de train ou de bus est un motif de dérogation pour sortir de son département. Vous avez donc le droit d'aller à l'aéroport, même s'il est à plus de 10 km de votre domicile, même pendant les horaires de couvre-feu. Il faut juste que Madeleine coche le motif de déplacement numéro 12, déplacement de transit et longue distance. Quant aux habitants qui vivent en zone non confinée, ils peuvent très bien venir en zone confinée prendre un avion. Aucune restriction supplémentaire. Donc, concernant les voyages, en France en tout cas, car en Angleterre par exemple, les voyageurs quittant le pays pourraient d'ici quelques jours devoir s'acquitter d'une amende de 5000 livres, hein, quasiment 6000 euros, après l'adoption d'un dispositif qui vise à décourager à tout prix les voyages non essentiels, ce qui a évidemment déçu des millions d'Anglais qui souhaitaient partir dans les prochaines semaines. Et ce qui est fou, c'est que c'est exactement le même système en Espagne, et en Espagne c'est un vent de révolte, parce qu'en effet vous ne pouvez pas vous déplacer d'une région à l'autre en Espagne en ce moment. Mais cela dit, vous pouvez soit venir de l'étranger. Par exemple, vous habitez à Madrid, vous ne pouvez pas aller à Barcelone. Mais par contre, vous habitez en France, vous pouvez aller à Barcelone. Ou bien vous pouvez aller à Madrid. On n'est plus à quelques incohérences près. On n'est plus à quelques incohérences près. Comment ils disent, Charles ? Dedans, c'est bien. Non, je ne sais plus. Dehors, c'est avec mieux. Avec moi demain, voilà.